Salut tout le monde, c'est MrBBoy45, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier match sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et salut tout le monde, c'est MrBBoy45, comment allez-vous? Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour mes premières parties sur Call of Duty Black Ops 2 enregistrées, il me semble vendredi ou samedi, je ne sais plus trop, bref. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBBoy45, comment allez-vous? Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve comme chaque année pour mes premières parties sur le nouveau Call of Duty. Et là nous sommes bien évidemment sur Call of Duty Ghost. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBBoy45, comment allez-vous? Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve comme chaque année depuis maintenant 4 ans, et oui, le temps passe, sur le nouveau Call of Duty pour ma première partie. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBBoy45, comment allez-vous les amis? Moi je vais très très bien et comme vous avez pu le voir en tout début de vidéo, ça fait maintenant 5 ans que je vous propose à chaque fois, à chaque Call of Duty, ma toute première partie en live. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBBoy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et oulala, ça fait des années. Ça fait des années, comme chaque année, on se retrouve au mois de novembre pour mes premières parties sur le nouveau Call of Duty. Et bien sûr tout le monde, c'est MrBBoy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, comme chaque année, comme chaque mois de novembre, on se retrouve pour mes toutes premières games, mes toutes premières parties et mes tout premiers ratios ensemble sur le nouveau Call of Duty. Vous l'avez vu, nous sommes sur Call of Duty World War 2. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes toutes premières games comme chaque année depuis 8 ans maintenant. Et ça devient très très long comme introduction. Allez, salut tout le monde, c'est MrBBoy45. J'espère que vous allez bien les amis, comme chaque année depuis 8 ans maintenant. Et le dernier c'était Modern Warfare 3, paix à ton âme. Quel jeu! On se retrouve donc pour les premières games en live, évidemment. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBBoy45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et comme chaque année, évidemment, on se retrouve pour la découverte de nos premières parties sur Call of Duty. Et cette fois-ci, on va attaquer la guerre froide avec Cold War. Et je suis pour cette découverte en compagnie d'Alfouille Extrême. Vous allez bien, messieurs? Impeccable, bien chaud. Là, j'ai mis mon treillis militaire. C'est la bagarre. Ça fait plaisir. Et toi, mon petit Extrême, ça fait longtemps? Chaud, bouillant. Oh, ça bon, va, ça va, écoute. On est déjà niveau 4. C'est pas qu'on a joué avant. C'est tout simplement qu'on ne sait pas pourquoi. On est on a lancé. Peut-être parce qu'on a joué à la bêta. Un petit remerciement. Ça fait plaisir. Merci Acti. C'est vrai qu'en 3 kills, on n'aurait pas pu le faire. Donc, on est déjà niveau 4. Personne ne sait pourquoi. On pourra sûrement créer nos classes après. On va faire quelques petites parties. J'ai sélectionné match à mort par équipe et domination. C'est le hasard qui va décider. Et ça va être nos premières parties. Tu as déjà joué Extrême ou pas du tout? Juste aux zombies pour l'instant. Juste aux zombies. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Match à mort, domination. Est-ce qu'on... Élimination confirmée ou pas? Allez, allez, ça équivaut à du MME. Au pire, ça comprend ouais, pas. Vas-y. Bon, nous sommes sur PC. Évidemment, Ray Tracing activé. Mode ultra, tout ce que vous voulez. Donc mettez cette vidéo dans la meilleure des définitions qui sera proposée. Je pense que je vais proposer soit du 2K, soit du 4K. Et oh, Checkmate, elle m'inspire la petite Minia, la gars. Eh bah vas-y, on prend. Vas-y, beau. Elle m'inspire de c'est ouf. Beauté. On est dans quoi? Un avion là, non? Des bureaux? On dirait un avion, hein. On dirait peut-être des bureaux, dans un avion, hein. Eh, peut-être des bureaux, peut-être un bureau dans un avion. On est 14 dans un bureau et puis on c'est va faisable, voir ce que ça va faisable. Donner. Donc, normalement, le son est bien réglé. Mettez en meilleure des qualités possibles, et évidemment. Ray tracing et tout. Je crois que dans la bêta, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas le ray tracing. On me fait chier, Extrême? Non, pas du tout. C'est bien ce que je pensais. Donc, les gars, ray tracing activé. Dans la bêta, il n'y était pas. Donc, ça va changer. Vous allez voir que ça va avoir quand même pas mal de gueule, je pense. Je l'espère. Et on est parti. On avait déjà un avis préconstruit sur la bêta. C'est vrai que le côté Cold War, on ne le sentait pas trop trop. Mais bon, hey, ne jugeons pas. On va voir ce que ça va donner. Et évidemment, les gars, pour moi, ça sera MP5 pour commencer cette partie de folie. Pas moi, M4, je vais me faire plaisir. M4, M4 aussi, ouais. Les gars, vous prenez un risque sur Cold War, vous avez vu la bêta. C'était MP5 Game. Hein. Ouais, c'était mais bon. MP5 Game. Non, tu as vu. Tu as vu, oui, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas vu. D'excuses. Bon, j'espère faire un petit 2 de ratio. Moi, les gars, c'est mon objectif. 2 de ratio avec une victoire, évidemment. Attends, on dirait Rainbow Six, quoi. Et puis voilà, moi, les gars, je rappelle que je suis sur une 3090. Salfouille est sur une 3080. Bon, ça chicote. Ça chicote. Nous, oui. Les chargements. Considérer que c'est déjà fait, on attend surtout les joueurs. Et c'est la première fois qu'on fait cette map, donc on va la découvrir tous ensemble. Ah oui, d'accord, ok, on arrive en... Voilà, hop, hop, on ok, dit. Voilà, vas-y les gars. Allez les gars, on débarque, let's go, on atterrit. Bon, ça va swinguer, vous êtes chaud? C'est parti. Allez.
Je vais prendre C. Oh, il est là-dedans. Oh, oh, là, c'est ma sensi est très très haute hein, pour le coup. Oh la vache. J'ai alors, si je jette une grenade par ici, ça fait quoi? Ah bon. Bah il est mort, voilà, c'est okay, officiel. Au-dessus de moi. On va baisser un tout petit peu la sensi parce que là, les gars, ça craint un peu. Ah bah oui, bah oui. Ça bah, me oui. Fume. Bravo, bravo. Bravo, bravo ça c'est... Bah ouais, mais ça s'est remis comme, comme c'était. Ok, bon, on est donc dans un grand hangar, map rectangulaire. De ce que j'ai pu voir, je me suis déjà fait enculer de ce que j'ai pu voir. Donc on y va, les gars. Oh putain, faut refaire mes touches, quel enfer. Quel enfer, faut refaire les touches. Bougez pas, on va faire ça vite fait. Je vais mourir. Hop, hop, voilà, hop, hop. Aïe, 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 ça, mette-moi. Voilà. Et c'est encore quoi, le j'étais équipement mortel, c'est du G. On est bon, y a pas de soucis, les gars. Allez. Je reviens sur B. Ah bah voilà. Bon, les gars, je démarre en 0-2, c'est terrible pour moi, je sais pas pour vous. Je crois que vous avez bien fait hein, le choix avec, avec la M4 hein, pour le coup. On se fout sur la gueule et ça c'est beau ça. Oh là là, ça c'est beau ça, ça c'est beau. C'est la guerre qu'on aime hein. Ah oui. C'est la guerre qu'on aime. Je vais changer de classe, vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça. Je rappelle que c'est vraiment pour le coup notre première game hein, les gars, pas de mytho, vous confirmez. Hein. Ah non, on connaît pas la map, mais bon, on va s'habituer. Du plaisir, voilà. On sourit. On sourit à la vie. Xtreme, tu m'as volé là, non? Ouais, il était devant moi, mec, je suis désolé. D'accord. Je m'excuse. Allez, par ta tête, là. T'es mort. Ah, ça veut jouer au lance-patate, hein. Elle bouge beaucoup l'arme. Cible abattue. Sécurisation d'alpha. Ok, on est derrière eux les potes. Elle est pas mal la map, j'aime bien en vrai, non? Ouais, on moi aussi. On perçait les gars, prenez un. Pour l'instant, j'aime bien. Petite série 3, on va commencer à reprendre le game. Là, bah, c'est un rectangle avec. Elle me rappelle une map 2v2 de Modern Warfare, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un voit ce que je veux dire? Xtreme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est bon, c'est le principal alors. Non, parce qu'au début, j'avais vraiment peur qu'il voyait pas ce que je voulais dire. Mais il voit. Avion espion ennemi en approche. Je vais sur B. Oh non, c'est injuste! Putain, par contre, j'ai l'impression de me faire arracher très très vite. Je tombe un peu plus vite que pendant la bêta, non? Je suis le seul à avoir ce petit ressenti des familles. Oh, ils sont trop beaucoup dedans sur le B. Oh, il m'a tué. Ma vengeance sera terrible. Non, je suis des... Ouais, vas-y, je vais rien dire. J'ai mis 4 balles, frérot. Le mec, il a tapé une barre. Ah, gros, les mecs, ils sont... Oh là là, comment ça joue, sérieux. Allez, on prend B, les gars. C'est une victoire pour cette première game. Oh, bah, dis donc. Dans l'avion, le mec, il est... Ah, il couvre les portes, en fait. Enfin, ils sont 4 dans l'avion, ils couvrent tous la porte. Et où, lui? Ah oui, d'accord. C'est... Sur quoi je tire, là? Bah, je viens de tuer un gars. Par contre, j'ai l'impression qu'il a un bras pour lancer ses nades. Du monde vient avec moi, les gars. Mort. Oh non, j'ai vraiment plus de balles, les gars, on en est là. Ok, un avion espion, c'est pour vous, les frères. La même, j'active le mien. Ça arrive sur A. Mort. Désolé pour cette visée catastrophique. On perd. On perd pas, mon pote. Je pose une mine de proximité. Et tu sais pourquoi on perd pas? Parce que t'es dessus, mec. Non, parce que toi, t'es dessus. Info? Il y en a un close. C'était une machine à usiner. Je me suis chié dessus. Ok. Attends, parce que... Pourquoi avoir mis une lampe tactique si en plus les ennemis la voient pas? Ça, c'est un peu bizarre, non? Alors là, aucune idée. Peut-être qu'il y aura des maps de nuit. Je tente le move du joueur. On sait pas. Ouais, la M4 pas améliorée, c'est un enfer. Ouais, hein. C'est compliqué, hein. Mais on est là, on se bat pour notre pays, bien sûr. Évidemment qu'on se bat pour notre pays, les amis. Non seulement on va se battre, mais en plus on va l'emporter, les gars. On va l'emporter. Par contre, ouais, vous me faites peur quand même, hein. Gardez B, les gars, vraiment.
Là, je suis sur B. Ah. Fou. Bah alors, mon frérot, fais pas ça, gros. Ok, ça, c'est ma mine, elle a pas bougé. Ah là là, y a du recul. J'avoue que pas équipé, les gars, c'est la guerre. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment la guerre. Hein. Ouais, mais on va pour notre pays, tu vois. Mais bien sûr, c'est normal. Et non seulement on va se battre, mais gagner. Bon, ça va, vous en sortez bien là pour l'instant, votre game. Oh, ouais, ça va. Oh, ça explose. Bien joué, les gars, allez. C'est la mi-temps, c'est bon pour nous. Finalement, tu m'as excellé. De. Ouais, mais... Moi, je joue le point. La M4, regarde, c'est pas. Oh, regarde. Belle ça. Très belle grenade ça. Oh, quoi? T'as fait un 4? Qui a fait 3 kills là? 3, 4, 3. 14 éliminations, 7 morts, ratio 2, c'est respecté les potes, c'est respecté. Il m'a fait des pas évident, hein. Ça fait plaisir. Pas évident, hein. Allez, let's go les gars, c'est pour nous. On va B direct les gars, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai qu'il y a les mi-temps, mais oui, mais on va B direct. Mais oui, mais ça c'est du triage les potes, c'est du triage. Mais bon, c'est la guerre, on se bat pour notre pays quoi. Bien sûr, évidemment. America, fuck yeah. C'est la guerre. C'est arrivé, je recharge. Oh mais là la frappe d'artillerie ça sert pas à grand chose. Ah t'as des vides quand même. Ouais, effectivement. J'ai rien dit. Et ben voilà. Ligne de proximité déployée. J'ai plus que 18 balles mes frères. C'est pour toi mec. On va se battre par notre pays. Attends, j'essaye de chercher une arme par terre. Tu peux mourir extrême s'il te plaît pour le mort mec. Je suis mort en dessous mec. Un cadavre de plus. Ça je reconnais hein, c'est ils sont deux en face de B. Dans le cockpit, dans l'avion. Oh bah là les gars j'ai tenté un move. GG ça les gars, let's go. Oh le double kill. Oh le double kill de la mine qui a été posée au préalable. Le pré-shot du joueur français. Les gars B. On a recup, j'ai défendu juste avant. Là, les gars! Tu m'as tout appris, doucement, mec! Doucement, quand tu respires! Bah, ouais, les gars, ça m'a tué, je me suis. Je suis mort, frère, tu manques de vitamines là, extrême, c'est quoi ça? Oh putain. Je me suis foutu en l'air, hein. J'ai entendu le gars respirer, j'ai fait c'est trop, les gars. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Allez, go. Oh, bah... J'aime beaucoup, la map, les gars, voilà, laissez-moi vous le dire. Alors, oui, moi aussi j'aime bien. C'est que le début. Mais... Petite map, corps à corps, on se bat pour notre pays, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Hop, lui il est mort, ça dégage, hein. Pas moi, Zinedine. Oh. Non, mais j'aime bien parce qu'en fait, c'est trois couloirs en fait. C'est milieu, gauche, droite. Exactement. Et tu choisis où tu vas. C'est où, c'est propre et ça passe plutôt très très bien. Oh la vache. Attends, je le sens mal cette histoire. Oh, par contre, la vie elle descend ultra vite. Hein. Ouais, la vie descend très très vite. Bah, je connais un gars, sa vie est descendue encore plus vite. Hop, je suis mort. Allez, oh go, non, go. Il va. C'est quoi ce bombardement, les potes, si je puis me permettre? Alors, c'est quoi que. C'est une armure que j'ai chopée? Vas-y, je la prends. Hein. Merci XD, un plaisir. Hein. Arrêtez de vous plaindre. Mais bah, attends, okay. Comment ça largue? Y'a des toits? Ouais, oh, j'ai une caisse. Ouais mais là les gars j'ai aucune visu. Ils peuvent être partout les frères. Ah ouais mais moi je donne tout pour le B, j'aurai rien à foutre hein. Je me bats pour mon pays hein. Ok quand vous montez le mec est dans le bureau présidentiel. Ah c'est terrible. C'est terrible. Trop de sensi. Il est mort quand même, il est mort, ça fait une élime. Si je peux me permettre. Oh non. Le mec il tire sur les mannequins gros, il a peur des mannequins. Frérot je pré-shot. Vas-y, je prends B. C'est compliqué. Allez, on va chercher les points, les gars. Ah, derrière. Ah, mais ouais, mais t'étais où, extrême? J'ai sauté, gros. Pour reprendre par devant. Bon, bah, ça va alors. Si t'as sauté. Oh! Ok, une petite M4 déjà équipée. Ça, par contre, on essaye. Attends, mais je remarque que c'est un régal là, attendez.
On va perdre le A parce qu'on est sur ces. J'ai spawn sur ces là. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais ah bah moi je tabasse hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là aussi toi? Mais cassez-vous. Mais ça respawn C, c'est bon. Mais ouais, mais ils m'embêtent tous là dans mon avion, c'est l'avion de mon daron les gars. Wouh! Oh mais non, mais il était en face, je croyais qu'il était derrière, c'est ma faute. Restez vigilants et gardez le rythme. Les gars, comment on peut savoir quand le largage il peut être... Il est... Ok d'accord, j'ai... Tu regardes le plafond gros. Ouais, c'est bon, j'ai... Non, 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 mais c'est rouge ou jaune. Ah ok. C'est juste que je connais pas la map. Regardez les gars, ça c'est pour moi, c'est Bibi qui arrive. Je pose une mine de proximité. Je sais même pas où je hélico d'attaque, sérieux là? Oh, ça c'est embêtant ça non? Je reconnais. C'est pas nous. Il y en a un qui start in, c'est ça? On va dire quoi? Il y en a un qui start in le fion là. GG les gars. Bon, un peu. Alors, j'aime beaucoup la map. Très déçu de ma première partie, je m'attendais à un meilleur score. 14 morts, 23 éliminations, je sais pas pour vous les gars. Donc 3ème buff. De quoi, combien? Elle touche bien 29, lui là. 29-19, c'est pas mal. Et toi, Foufouille? Moi j'ai fait du 22-15. Ça, on prend, on prend. Mais 19 d'objectif, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bien sûr, mais bien sûr, tout le monde voit, tout le monde, moi j'ai que 8. Tout le monde a vu? Est-ce que tout le monde a vu? On a tous vu Alfoui et je pense que là les gens t'applaudissent en fait. Parce que je me bats pour mon pays. Mais oui, mais c'est normal, les gens se lèvent et t'applaudissent. Voilà, ouais, wouhou. Et ben voilà, niveau 5, j'ai gagné un arc à poulie les frères. C'est ce que j'allais dire. J'ai tellement hâte de l'utiliser, jamais. Je pense que jamais je serai la gueule que ça dans le jeu. Vous avez quand même kiffé les amis ou pas? Ouais, le jeu, il y a des bonnes sensations quand tu touches. Pour être très honnête, ce que j'attends le plus, ça va être le Warzone. Hein, on va pas se mentir. On va être totalement franc même, j'ai envie de vous dire. Néanmoins, là, ça va nous permettre quand même de monter nos armes pour justement le Warzone. Donc, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Ça. Le côté Cold War, j'ai l'impression qu'ils ont ralenti le jeu globalement. Côté Cold War, on le ressent pas beaucoup. J'avais zappé ça. Guerre froide. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner à l'avenir. De quoi t'avais zappé quoi? Bah, en secondaire, tu peux mettre le Space 12, je vais zapper ça. Ah, pas tout de suite, ah, mais... ça va pomper, hein. Ça va pomper. Et d'ailleurs, je vais être le premier à pomper dès ce soir sur la chaîne Twitch. Je vous fais des bisous, les amis, je dois préparer la vidéo. A très vite, portez-vous bien. À tout à l'heure sur Twitch. Et c'est valable pour les viewers et c'est pas là pour vous. Bisous, les gars. Bisous. Bisous.